fait un malaise dans l'avion. Du coup, première fois de ma vie que ça arrive, on a été détourné, on a atterri à Lyon. Et donc on a atterri à Lyon et il y a des pompiers qui sont rentrés sous le tarmac, qui ont récupéré la dame, qui l'ont sortie. On a remis un plein d'essence d'avion, enfin un plein de kérosène quoi. Et on est reparti à Paris donc avec 1h30 de retard. Première fois que ça m'arrive. Et puis voilà, en tout cas j'espère que la dame va mieux. Et puis voilà, donc je suis à Paris sous la pluie. Voilà. Petite journée qui va être tranquille. Bonjour à tous, non. J'ai fait mon intervention hier. Après j'étais avec un ami sur Paris donc j'ai pas snappé. Je suis rentré dormir donc tout s'est bien passé. Voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça repousse maintenant, bien traité, piqueté. Et voilà, on a redensifié tout ça là. Tout ce qui me dérangeait. C'est une connerie mais c'est moi personnellement. Qu'on a besoin de se sentir bien personnellement, ben, je le fais. Et aujourd'hui on mange avec mon frère. Il y a mes parents qui viennent aussi nous dire au revoir. Tout le monde aujourd'hui c'est les adieux. Parce qu'on part demain. Demain on rentre chez nous à Dubaï. Voilà. Écoutez, j'arrive à l'aéroport. Et j'avais pas de bagage en soute puisque je suis parti même pas 24 heures. Et du coup j'avais tous mes médicaments pour l'entretien des cheveux là. J'avais des shampoings, des machins, des pipsites et tout. Moi j'ai pas capté. Je pouvais pas mettre en soute, de toute façon j'avais pas de sac. Et du coup ils m'ont jeté tout. Dégoûté. Dégoûté. Voilà, dégoûté.